Bon match numéro 2 en direct du centre sportif de la Croix-du-Tille. C'est gagné par Caron. Veillette travaille contre Massé. Veillette qui intercepte encore une fois pour Hudon. Hudon, Veillette, le but! Francis Poney! Et tout ça est parti de la passe avec un peu de dentelle du côté de Massé-Lanois, le territoire offensif. Et en plus, il rate sa sortie de zone en voulant dégager. Et le coup, les femmes qui en profitent. Et c'est déjà 1-0, Jean-Michel. Quelle passe sur la palette. Côté, il n'y avait personne. Chabot avec la rondelle. Frappé par Alan Caron. Oh. Bon coup d'épaule d'Alan. Gobé, ça n'ira pas plus loin. L'intensité qui a augmenté dans le cran. Début de dispute, Breton qui rentre dans le tas avec Chabot. Et Chabot qui est renversé. Bourque va lui-même renvoyer la longue passe pour Cloutier. Cloutier tire à Red Ouellet. Il n'y aura pas le retour. Quelle passe de Marc-Éric Bourque. Ouais, et Paris qui en a rajouté sur Cloutier. Chagnon qui n'a pas apprécié. Quelle chance ratée, Maxime. Quel travail de Yannick Tufu en possession de rondelle. Et là, Mêlé qui éclate derrière le filet. S'en est pris à Veillette, permute. Vraiment à Réaume. Réaume pour Hudon. Tire! Ça a raté, c'était Gagnon. Veillette renvoie à Gagnon. Gagnon pour Hudon. Hudon tire! Le but! Mickaël Réaume! Et l'avantage numérique du coulet qui frappe Jean-Michel. Belle déviation de Mickaël Réaume sur le lancer d'Hudon. Et auparavant, ça... Et William Breton qui voulait y aller avec Chabot en même temps. C'est Parker. Parker qui tente de répliquer. Et Dave qui en rajoute. Et Dave. Bon coup de Dave encore une fois. Et là, on a le chandail près de la tête. Et finalement, on va arrêter du côté des officiels. Gagnon. Feinte. Renvoie à Verret. Laisse pour Paré. Paré derrière le filet. Cherche les options. Remet à... Et le but! Philippe Hudon! Quelle passe de Francis Paré, Maxime! Je pense que la rondelle est arrivée vers Hudon malgré lui. Parce qu'au départ... Je me demande si elle a dévié sur le défenseur pour que la rondelle apparaisse sur sa palette comme ça. Veillette pour Hudon. Hudon. L'autre cercle pour Gagnon. Gagnon tire! Le but! Mathieu Gagnon, je crois! Et c'est déjà un deuxième goal à l'avantage numérique, Jean-Michel. L'indiscipline fait mal au pétrolier présentement. Et là, 4-0. C'est pas chamaillé. Bourque passe pour Chagnon. Finalement, Chagnon qui remet à Cloutier. Cloutier tire! Arrêt de Pagliarulo. Remet à Poulin. Poulin tire, arrêt, rondelle libre et Auger qui réussit à fermer la porte. On va chasser Gosselin pour avoir retenu Caron, je crois. Mêlé qui éclate. Daou tire, ça a raté la cible, mais Sennauer tente de remettre devant. Tire, oh! Quel arrêt d'Auger! Wow! Il en a volé une en fin de période, wow! Wow, quel arrêt de Sébastien Auger là-dessus! Chagnon tente de pousser pour Cloutier, c'est fait. Cloutier va déborder Chabot, Cloutier avec Réaume. Tire, le but! Et le coup, le fait exactement ce qu'il doit faire. Continuer avec la pédale au plancher. Bergeron dans le territoire avec William. Bergeron, feinte. Oh. Quelle feinte, tire. Quel arrêt de Pagliarulo. Oh. Et puis le Roblet d'être frappé solidement Bergeron. Ça a cogné dur. Ouais, et Bergeron qui va tenter de se faire. Oh, et Bergeron qui engage le combat avec Bureau-Blais. Et Bergeron qui continue avec Bureau-Blais. Non, Bureau-Blais est là. Ok, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Entre dans le territoire, tente de battre Gosselin. Mais c'est Sennauer. À la rose. La rose tire, arrêt au jeu. C'était Veillette. On dirait que c'est fait mal. Oui, il est plié en deux en ce moment. Zorn tire. Ah, ça a touché le poteau. Gagnon. Fin. Tire. Arrête Pagliarulo. Oh. Et Medley qui frappe. Medley qui frappe Gagnon. Ça a raté. Cloutier qui reprend. Renvoie pour Denis. Et on vient de frapper Kevin Cloutier solidement du côté de Narbonne à Denis. Denis cherche des options. Hudon. Hudon tire. Passe pour Paré. Paré. De l'autre côté pour suivre. C'est le but! Yannick Tivu! Quelle passe de Francis Paré encore une fois. Les talents de fabricant de jeu de Francis Paré pour vrai, là. C'est incroyable, Jean-Michel. Denis cherche des options à Verret. Verret toujours. Cherche des options. Permute avec Denis et Tifu. Verret. Verret. Tire! Le but! On peut libérer! Le but! Oh, si tantôt ça avait débuté très lentement. Les bons coups des deux hommes. Et ça se poursuit pour Parker. Ça va être un bon combat, Maxime. Qui s'amène, va renvoyer à la rose. Verret qui intercepte devant la croix. Le but! Maxime Lacroix! Plus rien. C'est 8-0, Maxime!
Chabot qui donne un coup de poing à Bergeron. Ah, petit vu. On va essayer de contrôler tout ça. Breton avec Chabot. Et allons-y, Chabot-Breton. Et bon coup de poing de Breton sur Chabot. Et Breton qui donne des bons coups à Chabot jusqu'à présent. On concède quelques pouces, William. Et ça a été une victoire pour William. Quel combat. Arrêt d'Auger. Rondelle libre. Bon coup d'épaule de Drew Parris sur Réaume. Tire. Le but. L'éveillé qui marque. C'est 1-0. Gérard qui avait résisté aux deux premières occasions, mais la troisième a été la bonne pour les pétroliers. Et enfin, un premier but pour Laval ce soir. Il y a beaucoup de gens qui venaient avant, qui avaient arrêté. Reviennent tranquillement. Caron tire. Le but! La croix de Troy Gueveillé. C'est 9-1, Maxime. On plaide sa cause du côté du gardien des pétroliers. Donc, je ne sais pas si on a jugé qu'on a... Bergeron, Cloutier, renvoie à Denis. Denis tire, arrête pas avec le rouleau. Il ne donnera pas de retour. Oui, effectivement, c'est maintenant 5-1 là, du côté. Parris tire, arrêt de Girard. On est... Arrêt de Girard et Caron qui a failli marquer, mais Girard a sauvé les meubles. Devant tire, arrêt. On vient de tomber sur Girard, mais c'est un peu Gosselin qui a poussé. Ouais, je pense que Gosselin va être un petit peu à la cause. Caron bourque en fond de territoire. On en rajoute. Et là, c'est Denis avec Daou. Et là, on engage le combat, Daou et Denis. Et Denis qui remporte son combat face à Daou. Daou n'a pas. Non, je pense pas que l'éveillé va y aller de son côté. Ah, c'est Narbonne, par contre. Ouais. Oh, Cloutier qui veut jeter les gants. Oh, est-ce qu'on va y aller? Cloutier avec Narbonne. Et... Oh! Marquez, marquez, ben Cloutier! L'éveillé. L'éveillé. C'est 9-2. L'éveillé qui s'est servi de boucle comme écran, a tiré entre ses jambes et pas sûr que Girard a vu la rondelle là-dessus. Et ça continue encore. Et Bourque avec Caron. Bourque. Caron qui est allé avec Bourque. Et lui. C'est plus un duel de force. Mais... Et les partisans qui. Chabot, tire, arrêt. C'est là-dessus, Maxime. Et là, Chabot qui va essayer de retourner là aussi. Mais là, je pense que du côté des autres. Marque finale, Saint-Georges 9, Pétrolier de Laval 2. Pas du Maxime pour le sommaire. Écoute, je vais essayer de ne pas perdre connaissance en faisant le sommaire. Ça a commencé avec Francis Paré. Son cinquième des séries sur des passes de Philippe Hudon et de Pierre-Luc Veillette. Ensuite, Michael Réaume, 15.